clowns du Joker s'en prennent aux civils de Burnley. Nightwing est retenu par le GCPD au commissariat du quartier Est. Batman veut que tu ailles voir ce qui se passe. Il te contactera sur place. Hé hey, si j'avais pas promis à Gordon que je surveillerais ces deux-là avant qu'ils soient emmenés à Arkham, je te rejoindrais dans les rues. Les clowns du Joker sont encore plus fous que d'habitude à cause de sa nouvelle toxine. Ce truc, c'est comme de la folie atomisée. Bonne chance. Ici Batman. Les clowns du Joker n'ont aucune considération pour les vies humaines. Ils ne dérogent pas à la règle aujourd'hui. La différence, c'est que quand cette attaque a commencé, j'ai reçu un étrange signal codé. Cela ne peut pas être une coïncidence. Je voudrais que tu ailles nettoyer tout le bazar qu'a répandu le Joker. Pendant ce temps, je vais essayer de déchiffrer ce code. Les sbires du Joker utilisent les têtes de clowns comme dispositif de livraison de bombes. Il faut que nous sortions ces choses de la circulation et que nous confisquions leur dispositif incendiaire. Penses-tu pouvoir le faire ? Comment peuvent-ils s'en tirer comme ça ? Il faut plus de policiers, plus de pompiers, plus de secours ! Oh merci. Le spectacle morbide du Joker a failli avoir raison de moi. Ici le Sphinx. Bah, ce beau livre n'est que la partie visible. Allez, fais un truc qui flash. Il nous aiderait bien. Hé, éloigne-moi. C'est mon passeport pour la télé. Tout ceci n'a aucun sens. Ceci n'a aucun sens. Tu feras un bon combustible pour le feu. Oh merci. Comment peut-il s'en tirer comme ça? A failli avoir raison de moi. Il faut plus de policiers, plus de pompiers, plus de secours. Le Joker a dit de s'assurer que tout Gotham s'en aperçoive. Hé hey, éloigne-toi! C'est mon passeport pour la télé! Hé hé! Oh merci! Le spectacle morbide du Joker a failli avoir raison de moi. Comment peuvent-ils s'en tirer comme ça? Il faut plus de policiers, plus de pompiers, plus de secours. Tout ceci n'a aucun sens. De s'assurer que tout Gotham s'en aperçoit. Hé, éloigne-toi. D'où les visages de Gotham auront les yeux rivés sur nous. Bienvenue à la fête! Tu feras un bon combustible pour le feu! Allez, fais un truc qui flash! Tu nous aiderais bien! Beau travail. Ce qui s'est déroulé ici fait partie d'un plan de plus grande envergure. J'ai décodé le signal qui a commencé au début de l'attaque et il semblerait qu'il s'agisse d'une série de coordonnées. Je suis en train d'en envoyer le premier groupe sur ta carte. Hé, éloigne-toi! C'est mon passeport pour la télé! Allez, fais un truc qui flash! Ça nous aiderait bien! Le Sphinx se remet en selle ?
La dernière fois que j'ai entendu parler de lui, il avait tourné le dos à son passé de criminel pour ouvrir sa propre agence de détective. D'après ses indices, il faut croire que ces vieux démons ont refait surface. Je me demande pourquoi. L'obsession du Sphinx pour les énigmes l'empêche de dire quoi que ce soit de manière directe. Quand une attaque n'en est-elle pas une? Quand c'est une feinte? Il dit que l'attaque du Joker n'est qu'une diversion. Mais de quoi? Il y a un deuxième lot de coordonnées. Je te les transmets sur ta carte. Ces coordonnées nous mènent directement à une autre attaque de clown. Le Sphinx doit vouloir que nous arrêtions le Joker, mais pourquoi? Quelles que soient ses raisons, il faut en profiter. Va éliminer ces clowns, puis récupère l'indice suivant d'Enigma. Quoi? Oh! Heureusement que t'as débarqué. Même si tes vêtements piquent un peu les yeux. Tu pourrais pas te charger des vannes d'où sortent ces clowns? Je suis qu'un simple flic, moi. Ce serait vraiment bien si tu m'aidais. Vous allez mourir de rire! Cette bande de cinglés! J'ai besoin d'un remontant, moi. Je le tenais, mais il m'a lancé cette grenade à gaz. Fais le plein et vérifie l'huile tant que t'y es. Ici le Sphinx. Je vois que tu as réussi à trouver mon jeu de Go. C'est un jeu de réflexion classique de la dynastie Zhou. Regarde ce qui nous arrive. Cette bande de cinglés! J'ai besoin d'un remontant, moi. Qu'est-ce que tu veux? Non, pas le visage! Oh, regarde! Oh ouais, je le tenais, mais il m'a lancé cette grenade à gaz. Ou ça va mal tourner! Courez! Cette bande de cinglés! J'ai besoin d'un remontant, moi. Oh! Regarde qui nous a fait! Supercollant veut jouer avec lui! Ma foi, super collant! Cette bande de cinglés! J'ai besoin d'un remontant, moi. Regarde qui nous a rejoint! Regarde! Oh ouais, je le tenais, mais il m'a lancé cette grenade à gaz. Oh, sans ça, je... Ouais, merci. Oh ouais, je le tenais, mais il m'a lancé... Regarde, le père nous a rejoint. Ma foi, super collant. Cette bande de cinglés! J'ai besoin d'un remontant, moi.
veux-tu d'un peu de poésie, Batman? Le Joker est roi, mais esclave d'un instrument. Il pense être le maître, mais ce n'est qu'un démon. Lorsque sa toxine révélera son jeu malsain, ce que tu devrais savoir aujourd'hui, tu le découvriras demain. Le Joker est le roi, oui, mais des pantins. On dirait que le Sphinx essaie de nous dire que quelqu'un tire les ficelles derrière le Joker. Qui serait assez fou pour faire une chose pareille? La seconde devinette d'Enigma. Elle doit vouloir dire que le Joker travaille en duo pour la fabrication de sa toxine. Une personne qui se servirait de lui pour ses propres desseins. Je t'indique les troisièmes coordonnées sur ta carte. Voyons ce que révèle le prochain indice du Sphinx. Bonjour, je travaille pour Wayne Tech. On m'a affecté la tâche d'extraire et d'analyser les robots trouvés dans cette zone. J'apprécierais beaucoup si vous pouviez scanner toutes les pièces de robots que vous rencontrerez. Oh, minable ! Rapproche-toi. Ces robots sont des copies de Red Tornado, le robot créé par Demain. L'homme de Demain. 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 Demain ! Bien vu, Sphinx. Les attaques précédentes avaient pour objectif d'attirer l'attention loin de la nouvelle unité de robots du Joker. Tu sais ce qu'il te reste à faire. Reportez-vous à la page 42 du manuel technique, annexe 13, avant de... L'unité J1N1 requiert un technicien qualifié. Ce que vous tenez là est le générateur du J1N1 permettant de vous en savoir plus à ce sujet. Dites générateur. J1N1 a reçu une nouvelle directive. Nouvelle directive. Annihiler le cinglé en collant une jambe. J1N1, reportez-vous à la page 42 de l'élimination imminente de la cible. Ce que vous tenez là est le générateur du J1N1. Pour en savoir plus à ce sujet, dites générateur. Approche-toi. Ici le Sphinx. Ah! Les tours d'un œil. Si tu veux comprendre les tours, tu dois comprendre les tours.
Dis-moi si tu la connais, celle-là. Annihiler le cinglé en collant qui nous embête. L'unité J1N1 requiert un technicien qualifié. Patientez un instant. Ce J1N1 peut vous expliquer la méthode permettant... Vous allez mourir de rire. Tant qu'il peut. Bande de minables. Directive. Annihiler le cinglé en collant qui nous embête. Dis-moi si tu la connais, celle-là. J'abandonne. Je sais que le Joker sait que je sais ce que je sais. Oh, il va me tuer, Batman. J'ai besoin de ton aide. Je suis... Résous-moi ça. Quand tu fais une mauvaise pioche, où se trouve le talon? Pas besoin de Batman pour déchiffrer ce dernier indice. Le Sphinx a des ennuis. À la société de cartes à jouer Monarque. Je mets ta carte à jour. Le besoin compulsif du Sphinx a étalé sa science avec des devinettes nous a aidés. Mais ça a aussi signé son arrêt de mort. Le Joker veut sa tête pour avoir dévoilé ses attaques de robots J1N1. Avec un peu de chance, tu arriveras à retrouver le Sphinx avant les assassins du Joker. C'est sa seule chance de survie. Salutations, chère clientèle involontaire. Bienvenue dans le kiosque automatique à énigmes du Sphinx.
Toute résistance Je te ferai une récompense. Tu te sens d'attaque? Le jardinier, l'amant, la brute et le riche homme, tous devinrent pilotes et portèrent l'uniforme. Jetés en paquet, ils chutèrent mais n'eurent rien, attendant un œil vif pour reprendre la main. Ici le Sphinx. Je ne suis pas fan du cavalier, mais j'aime contrôler les pions. Salut, Batman! Quand est-ce qu'une porte n'est pas une porte? Quand elle est entrouverte. La porte qui mène à ce que je connais est sans aucun doute entrouverte, Batman. Si tu parviens à me trouver, bien sûr... Tu te sens d'attaque? Ces pièges pratiques ne vont pas nous empêcher de nous trouver, Sphinx Souné! Qui est-ce? Tu n'es pas Batman, mais tu travailles pour lui, c'est sûr. Autrement, tu ne m'aurais jamais trouvé. Très bien. Résous mes énigmes et tu me trouveras ainsi que mon message pour le Chevalier Noir. Il semble que tu aies gagné. Tu n'es peut-être pas si minable que tu en as l'air. Résous-moi ça. Si c'est la clé que tu convoites, la réponse est dans la boîte. Ce que je tente de transporter à une bande, je l'ai confié. Accrédité. Oh !
Ici le Sphinx. Le cube Soma est comparable à une élégante philosophie. Mais j'imagine qu'une personne de ton QI est plus habituée à un certain petit cube multicolore. Bien, la réponse à la dernière énigme, c'est moi, évidemment. Mais tu ne pourras passer que si tu les résous toutes. Fichu Sphinx, ton piège a ruiné... Tu vas payer pour avoir tenté de faire échouer nos plans. Vite, achève-les, ils sont à terre. Directive J1N1. Repérer et éliminer ces mouchards de Sphinx. Réitérez votre demande. Ouais! Quelle déception. Ah. Et c'est ça. Ces trois pauvres énigmes ont eu raison de toi. À chaque jour suffit sa peine. Mais toutefois, si tu voulais poursuivre ce concours, ô joie, trouver les réponses aux questions, il te faudra. Allez, ce n'est même pas une véritable énigme, juste quelques vers que je ne fais que réciter. J'aurais honte si j'étais toi. Trois fils, cherchant fortune, un jour s'en sont allés. Ensemble, une longue route, ils se virent emprunter. Vint, enfin, un carrefour montrant trois directions. Ils en prirent chacun une, et seuls, maintenant, ils vont. Le cadet, à gauche, emprunta le chemin. Des rêves de richesse, ses yeux étaient empreints. La route du milieu choisit le Benjamin. Une femme, il espérait, au bout, trouver, enfin. L'aîné se décida à droite de bifurquer. Il voulait y trouver belle propriété. Les routes se tordaient, se courbaient, s'étiraient, mais chacune d'elles pourtant étrangement finissait. Pour ne point partager semblable destinée, ce n'est point leur route, mais leur âge qu'il faut trouver. Cette machine est en panne. Va-t'en.
Cette machine est en panne. Va-t'en. Ici le Sphinx. Cette boîte te révélera le secret qu'elle renferme une fois le casse-tête résolu. Ah. Tu n'as qu'à t'imaginer qu'il s'agit d'un cadeau dans une boîte de Booster Bits. Mes excuses pour ces gardes du corps à tantinet trop protecteurs. J'avais bien entendu déjà compris que tu n'étais pas l'assassin envoyé par le Joker. Fin du temps réglementaire, Nigma. Je n'échoue jamais. C'est Deathstroke. Tu dois me protéger de lui. Je dirai tout, mais ne le laisse pas me tuer. Je vais te tuer aisément. Aidez-moi! Je pensais que quelqu'un avec la renommée d'utiliser 90% de son cerveau aurait déjà compris. Le Joker s'est joué de toi. Va consulter tes comptes si tu ne me crois pas. Je comprends. Le transfert du Joker a été refusé pour cause de fonds insuffisants. Et voilà, pas d'argent, pas de contrat, pas d'enterrement pour toi, le Sphinx. Après ça, il valait peut-être mieux que Batman ne se montre pas. Va lui dire que demain travailler avec le Joker, mais plus maintenant. Cette toxine est bien plus dangereuse que tout ce que le Joker a utilisé jusqu'à présent. Et demain possède la vraie formule. Maintenant, je vais aller me cacher là où le Joker ne pourra jamais me trouver. On y va, les filles ? Les charades, des énigmes enveloppées dans des mystères.
Et puisque Moreau a voulu jouer avec le Joker, rien ne va plus. Parce que quel genre de main donne la combinaison d'un as et d'un Joker? Une main morte. Attendez, essayez plutôt celle-ci. Celui qui le fabrique n'en veut pas. Celui qui le veut ne l'utilise pas. Celui qui l'utilise ne saura jamais qu'il l'a possédé. Vous abandonnez? Un cercueil! Maintenant, répondez à cette devinette. Est-ce que quelqu'un peut gagner cette guerre? La seule chose capable de forcer Deathstroke à se retirer d'un coup, c'est le manque d'argent. C'est une question d'honneur. Je dois avouer que le Joker s'est fait un sérieux ennemi. Et si le Sphinx est aussi futé qu'il le prétend, il emmènera Echo et Kerry et ils resteront cachés quelque temps. Maintenant que le Joker collabore avec Demain, nous allons pouvoir élaborer un plan qui fera d'une pierre deux coups. La nouvelle toxine du Joker est bien trop dangereuse pour rester entre leurs mains. Sans parler des robots jokerisés de Demain. Merci pour ton aide. Va parler à Nightwing dans la planque. Ici Batman. Terminé. Alors comme ça, tu as survécu à Deathstroke. Quelle clientèle tu fais? Et ça tombe bien, parce que Demain et le Joker travaillent ensemble, et nous allons avoir besoin de tous les héros que nous avons sous la main.